Bonjour, aujourd'hui je voulais parler d'un petit problème que vous pouvez rencontrer lors de broderies sur tissu fin plutôt, mais ça peut aussi vous arriver sur des tissus un peu plus épais. Donc ça peut donner ça. Voilà, donc là on voit dans cette partie de cette photo qu'on a un bourrage de fil par le trou de la plaque à aiguille. Donc là on voit qu'on a un paquet de fils, donc il a fallu souvent couper le tissu qui était coincé sur le dessus pour pouvoir accéder à la plaque à aiguille. Et là, il faudra démonter la plaque à aiguille pour récupérer le tissu. Donc on le voit très très bien ici, en dessous de la plaque à aiguille, un gros gros bourrage de fil. D'accord? On peut le voir ici aussi à l'arrière du tissu où là, à ce moment-là, il y a eu un bourrage. Bon, tout d'abord, avant d'inquiéter entre guillemets la machine, il est nécessaire de pouvoir regarder si dans votre programme vous n'avez pas exagéré sur la densité. C'est-à-dire si vous avez mis une densité importante, ça veut dire à un moment donné si vous avez exagéré, si vous avez vraiment une densité au maximum maximum, votre machine ne va pas bouger en XY, elle va rester sur place et elle va faire des points pour renforcer votre point. J'exagère à peine, mais c'est souvent le cas. Donc, si vous avez par exemple un tissu fin et que vous avez une densité très forte, il y a quand même forte chance qu'à un moment donné, à rester sur place, vous allez bourrer dans le trou de la plaque à aiguille du fil. Voilà. Donc, limitez votre densité, n'exagérez pas en densité. Et si c'est pas le cas, si vous n'avez pas exagéré en densité, renforcez également aussi votre tissu sur l'arrière. Là, on voit, c'est dans le cadre d'un bonnet, c'est de la maille, c'est pas très 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 épais. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à renforcer vos tissus. Alors limitez la densité et renforcez les renforts à l'arrière. D'accord. Si vous êtes OK pour ça, c'est-à-dire que vous avez travaillé sur ces deux points-là, il reste néanmoins encore une possibilité qui est liée à la machine. Il est intéressant de regarder la position de cette pièce-là. On appelle ça l'étrier du crochet. Le crochet, c'est cette partie-là qui est mobile, hein, donc la partie en inox ici est mobile. Elle va tourner à la vitesse que vous lui avez indiquée. Hein. Si vous tournez à 850 points, elle va faire 850 points. Le crochet va faire 850 fois le tour par minute. Là, vous avez une autre partie du crochet qui est la partie fixe du crochet. Elle est en partie noire. Elle est peinte en noir. Hein. Donc cette partie fixe du crochet, elle est coincée grâce à l'étrier du crochet. Si cette partie-là est absente ou mal réglée, vous allez avoir tout cet ensemble qui va tourner, c'est pas souhaitable. On souhaite que la partie inox qui tourne et cette partie noire ici ne tourne pas. Donc cet étrier de crochet va couler, la pointe de l'étrier va couler dans la petite encoche qu'il y a ici, un tenon mortaise, et ça va bloquer la partie noire, ce qui est très bien. Si vous avez si cet ergot est trop avancé par ici, trop avancé vers le fond de l'encoche, vous risquez d'avoir aussi ce problème de bourrage de plaque à aiguille. Donc n'hésitez pas à le reculer un peu. Pour cela, vous venez avec un tournevis par le dessous. Alors la vis, elle n'est pas là, on voit le filetage qui est ici. La vis est en dessous, là, et là. Vous dévissez et vous reculez de quelques millimètres, 1 ou 2 millimètres vers ici. Vous notez bien que néanmoins, la partie noire doit rester bloquée, hein, ne doit pas être libre. Donc vous ne devez pas sortir totalement de l'encoche. On dit un bon quart, voire une demi-encoche. Donc si vous avez ce problème-là, et uniquement si vous avez ce problème-là, si vous n'avez pas ce problème-là, vous ne touchez surtout à rien. Si vous avez un problème de bourrage, une fois passe encore, mais si c'est répété, ben vous pouvez reculer légèrement d'1 ou 2 mm cette partie-là, afin de régler ce problème-là. Vous devez aussi vous assurer que ce qu'on appelle le piqueur, qui sert lors des coupes-fil démarrage, hein, des premiers points pour faire le nœud, ou des coupes-fil, qu'il est souple. C'est-à-dire que vous allez appuyer avec votre pouce ici, et il vient cogner contre le boîtier à canettes. Hein. Il doit être souple, il doit bien revenir. Voilà. Il ne doit pas rester par là-bas, et puis il doit bien revenir. Il doit être très souple. Vous appuyez dessus comme ça avec votre pouce. Et il va faire effet ressort et revenir toujours dans sa position initiale ici. Voilà, je voulais vous montrer une autre photo, mais c'est la même chose. On voit l'étrier ici. Voilà, donc c'est bien cette partie-là que vous reculez légèrement, mais qui doit rester néanmoins dans
l'encoche de la partie fixe du crochet qui est en noir. Voilà. Je crois que j'en ai encore une. Voilà, donc là, on a déjà vu cette photo-là, mais c'est bien cette partie-là qui doit être, cette partie-là qui est mobile, qui doit être légèrement reculée. Bah, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.